Annenberg Media. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Our two characters must have names. She will be Mireille and he Robert. She gets working parents and two sisters, one married. Robert is an only child. His mother is French. His parents are divorced. His mother remarried. Robert just may have a few hang-ups. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Continuons l'invention de l'histoire. Eh bien, d'abord, il faut donner un prénom aux jeunes gens. Bah, pourquoi ? Pourquoi ? C'est élémentaire, mon cher Watson. Il faut donner un prénom aux jeunes gens parce que tout le monde a un prénom. Moi, j'ai un prénom. Mon prénom, c'est Pierre. Vous, vous avez un prénom. C'est quoi votre prénom ? Michael. Eh bien, vous voyez ? Il a un prénom. Vous aussi, vous avez un prénom. C'est quoi votre prénom ? Julia. Vous voyez ? Elle aussi, elle a un prénom. Tout le monde a un prénom. Moi, elle, lui, tout le monde a un prénom. Mais les jeunes gens de l'histoire n'ont pas de prénom. Ça ne va pas, ce n'est pas possible. Il faut donner un prénom aux jeunes gens. Parce que ce n'est pas facile de raconter une histoire sans prénom. Alors, donnons un prénom aux jeunes gens. Voyons. La jeune fille d'abord. Ça va être quoi son prénom ? Ethel. Non. C'est un joli prénom, mais ça ne va pas. C'est un prénom américain. La jeune fille est française. Il faut un prénom français. Écoutez, le prénom de la jeune fille va être Mireille. Bah, pourquoi ? Parce que c'est un joli prénom. Hein, Mireille ? C'est joli. C'est un joli prénom. Et puis, ce n'est pas facile à prononcer. Tenez, essayez. Dites Mireille. Prononcez Mireille. Allez, allez-y. Mireille. Écoutez, Mireille. Allez-y, essayez. Mireille. Vous voyez, ce n'est pas facile à prononcer. C'est un joli prénom, mais il n'est pas facile à prononcer. Le prénom du jeune homme va être Robert. Non, pas de discussion. C'est décidé, le prénom du jeune homme va être Robert. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est un prénom à la fois français et américain. C'est un prénom français et c'est aussi un prénom américain. C'est un prénom à la fois français et américain. Et puis, il n'est pas facile à prononcer non plus. Robert, ce n'est pas facile à prononcer. Bon, maintenant, les deux jeunes gens de l'histoire ont un prénom. Le prénom de la jeune fille, c'est... Ethel. Ce n'est pas Ethel, c'est Mireille. Ah bon, Mireille, si vous voulez. Et le prénom du jeune homme, c'est... Robert. Non, Robert. Lobat. Non, Robert. Robert. Bon, maintenant, il faut donner une famille aux jeunes gens. D'abord, donnons une famille à la jeune fille. Voyons. Est-ce que la famille de Mireille va être pauvre ? Non. Non. Est-ce que la famille de Mireille va être riche, alors ? Non. Bon, alors la famille de Mireille n'est pas pauvre, mais elle n'est pas riche non plus. Ce n'est pas une famille pauvre, ce n'est pas une famille riche non plus. C'est une famille... aisé.
Voyons maintenant. Est-ce que Mireille va avoir une mère ? Oui. Est-ce qu'elle va avoir un père ? Oui. Bon, alors c'est entendu. La famille de Mireille n'est pas pauvre, elle n'est pas riche non plus. C'est une famille aisée. Mireille a un père et une mère. Le père et la mère de Mireille travaillent. Ils travaillent tous les deux. Le père de Mireille travaille chez Renault. Il est ingénieur chez Renault. Et sa mère, elle est chef de service au ministère de la Santé. Mireille a deux sœurs. Cécile est plus âgée. Elle a 23 ans. Elle est mariée. Marie-Laure est plus jeune, beaucoup plus jeune. Elle a 10 ans. Elle est mariée, Marie-Laure ? Non. Évidemment. Elle est trop jeune pour être mariée. Voyons, le père et la mère de Mireille ont combien d'enfants ? 3. Ils ont 3 enfants. 3 filles ou 3 garçons ? 3 filles. Bon, maintenant, donnons une famille à Robert. Voyons. Est-ce que Robert va avoir une mère ? Oui. Est-ce qu'il va avoir un père ? Oui. Bon, alors Robert a une mère et un père. Les parents de Robert ont de l'argent. Ils sont même assez riches. Robert n'a pas de sœur. Et il n'a pas de frère non plus. Il est fils unique. Les parents de Robert sont divorcés. Son père n'est pas remarié. Sa mère est remariée. Pauvre Robert, fils unique, parents divorcés, mère remariée, il va peut-être avoir des complexes. Ah, très bien. J'adore ça. Parlons des complexes de Robert. Vous voulez parler des complexes de Robert ? Ah oui. Pourquoi ? Parce que ça va être amusant et utile pour apprendre le français. Vous croyez ? Peut-être, peut-être, mais pas aujourd'hui. Hein. Nous n'avons pas le temps. Une autre fois. Aujourd'hui, nous continuons l'invention de l'histoire. Nous continuons. Regardez. Là, je commence, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, et je m'arrête. Commencer, continuer, arrêter. Maintenant, regardez Marie-Laure. On lui dit d'arrêter, mais elle continue. Arrête ! Si tu continues, ça va mal finir. Maman ! Écoutez. Si tu continues, ça va mal finir. Elle continue et ça finit mal. Elle aussi, elle continue. Il lui dit d'arrêter. Ouais. Mais elle continue. Je t'accompagne, tiens. Non, non, continue. Bon. Continuons. D'abord, nous allons donner un prénom aux jeunes gens. D'abord, pour commencer. Regardez Marie-Laure. Marie-Laure, tu vas travailler ? Oui, mais d'abord, je veux regarder la télé. Tu vas travailler d'abord, tu vas regarder la télé après. Compris ? Elle veut regarder la télé d'abord et travailler après. Mais sa mère n'est pas d'accord. Il faut travailler d'abord, regarder la télé après. Tu vas travailler d'abord, tu vas regarder la télé après. D'abord, il faut donner un prénom aux jeunes gens. Donner. Regardez. Tiens, c'est pour toi. Tonton Guillaume donne des chocolats à Marie-Laure. Marie-Laure donne un bonbon à Mireille. Les enfants donnent du raisin à leur père. Elle donne une sucette au petit garçon. Il donne une gifle au petit garçon. Donne la pâte à Mireille. Allez. C'est bon. C'est petit, mais il marche bien. Il donne un briquet à la jeune fille. Il donne les clés au monsieur. Il faut donner un prénom aux jeunes gens.
Juliette, c'est un prénom. Victor, c'est un prénom. Jean-Paul, c'est le prénom. Sartre, c'est le nom de famille. Simone, c'est le prénom. De Beauvoir, c'est le nom de famille. Béatrice, c'est le prénom. Laverne, c'est le nom de famille. Corinne, c'est un prénom. Tout le monde a un prénom, vous allez voir. Quel est votre prénom ? Jocelyne. Quel est votre prénom ? Patrice. Agnès. Vincent. Olivier. Il faut donner un prénom aux jeunes gens parce que tout le monde a un prénom. Et puis, un prénom, c'est utile. C'est utile pour raconter une histoire. Alors, il faut donner un prénom aux jeunes gens. Il faut. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Regardez Marie-Laure qui est malade. Il faut. Non. Allez. Maintenant, il faut vous reposer. Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Il faut des verres, voyons. Ah. Voilà. Qu'il faut encore? Eh bien, il faut des serviettes. Ah. Oh, excusez-moi, il faut que je file, je vais être en retard. Moi, il faut que je file, maintenant je suis en retard. Faut qu'on se sépare. Il faut jamais montrer du doigt. Marie-Laure, tu ne travailles pas. Allez, travaille. Il faut travailler. Il faut donner un prénom aux jeunes gens. Il faut travailler, il faut étudier, il faut écouter, il faut continuer, il faut essayer, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut voir, il faut pouvoir, il faut partir, il faut choisir, il faut donner un prénom aux jeunes gens. Il faut donner un prénom aux jeunes gens de l'histoire parce que sans prénom, ce n'est pas facile de raconter une histoire. Regardez Marie-Laure ici. Elle raconte une histoire à Fido. Il raconte une histoire. Il raconte une histoire. Dans cette maison vivaient le grand-père et la grand-mère de ta maman. Il raconte une histoire. Raconte-moi une histoire. Ce n'est pas facile de raconter une histoire sans prénom. Voilà un jeune homme sans prénom. Et voilà un jeune homme avec un prénom. Voilà une dame et un monsieur avec des enfants. Et voilà une dame et un monsieur sans enfants. Une dame et un monsieur avec des enfants. Un monsieur et une dame sans enfants. Un monsieur et une dame avec des enfants. Un monsieur et une dame sans enfants. De la confiture avec du pain. De la confiture sans pain. Mais tu vas pas manger ta confiture sans pain? Et pourquoi pas? Où tu vas? Au cinéma. Tu ne vas pas aller au cinéma sans moi? Et pourquoi pas? Ça ne va pas. Pourquoi? On ne va pas manger sans fourchette. Bof, pourquoi pas? Ça alors? Quoi? Bah, regarde la tante Georgette, sans Fido. Ah oui? Hé, tante Georgette, où est Fido? Mon Dieu, Fido! Fido! Marie-Laure avec son bateau. Et Marie-Laure sans son bateau. Et le bateau sans Marie-Laure. Voyons si vous avez compris. Ça va être un jeu. Dame avec enfant. La même dame sans enfant. Avec enfant, sans enfant. Avec, sans. À vous maintenant. Avec. Sans. Avec. Sans. Avec. Sans. D'abord, il faut donner un prénom à la jeune fille. Ah oui, Ethel. Non, Ethel, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ce n'est pas un prénom français. Il faut un prénom français. Mireille, oui, ça va. Mais Ethel, non, ça ne va pas. 8h30. Oh, ça va, j'ai le pain.
Regardez Mireille ici. Ça ne va pas. Ça va. Ça va très très bien. Ça va. Ça ne va pas. Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Mais il faut des verres, voyons. Ah. Ça va? Non, ça va pas. Le couteau à droite et la fourchette à gauche. Tout le monde sait ça. Le prénom de la jeune fille va être Mireille, d'accord? C'est un joli prénom, hein? Mireille, c'est joli. Et ça, c'est un joli foulard. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est joli. Un joli rôti. Il est joli. Une jolie jeune fille. Que vous êtes jolie. De jolies fleurs. C'est joli. C'est joli, hein? C'est très joli. C'est joli, hein, toutes ces couleurs. Ouais. C'est beau. Viens, joli chien. Tu es un très joli chien, toi, tu sais. Tu as un joli toutou. Ça, c'est un joli chien. Mais ça, non, ce n'est pas un joli chien. Elle est jolie. Elle n'est pas jolie. Maintenant, vous allez parler français. Écoutez ce dialogue entre Mireille et son ami Jean-Michel. Vous allez répéter les réponses de Jean-Michel. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Un jeune homme et une jeune fille. Et le prénom de la jeune fille va être... Mireille. Le prénom de la jeune fille va être Mireille. Pourquoi ça? Parce que c'est un joli prénom. À vous maintenant. Vous êtes Jean-Michel. Et le prénom de la jeune fille va être... Mireille. Le prénom de la jeune fille va être Mireille. Mireille. Le prénom de la jeune fille va être Mireille. Mireille. Le prénom de la jeune fille va être Mireille. Pourquoi ça? Parce que c'est un joli prénom. Parce que c'est un joli prénom. Parce que c'est un joli prénom. Le prénom du jeune homme va être Robert. C'est un joli prénom. Et c'est un prénom qui n'est pas facile à prononcer. Robert. Tenez, prononcez. Robert. Dites Robert. 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 Écoutez. Robert. Robert. Regardez. Robert. Robert, c'est un joli prénom. Pas facile à prononcer. Et puis, c'est un prénom français. Et c'est aussi un prénom américain. C'est un prénom à la fois français et américain. C'est français et américain à la fois. Tenez, regardez ce centaure. C'est à la fois un homme et un cheval. Et une sirène, c'est à la fois une femme et un poisson. Écoutez ce que Mireille va dire. Mais attention, on ne porte pas tout à la fois. Les assiettes d'abord, les verres ensuite. Tu vas pas manger deux chocolats à la fois quand même. Et pourquoi pas? Maintenant, il faut donner une famille aux jeunes gens. Une famille. Voilà une famille. Voilà une famille. Ça, non, ce n'est pas une famille. Ça, oui, c'est une famille. Et ça, c'est une famille? Non, ce n'est pas une famille. Et ça? Ça, oui, c'est une famille. La famille de Mireille n'est pas riche. Elle n'est pas pauvre non plus. Elle est aisée. Elle est riche? Non, elle n'est pas riche. Elle est pauvre? Non, elle n'est pas pauvre non plus. Elle est aisée. C'est une famille aisée. Riche? Pauvre? Riche? Pauvre. Lui, il est plutôt pauvre. Maintenant, regardez cet homme. Il est pauvre ou riche? Pauvre. Et cette dame, elle est riche ou pauvre? Riche. Et ce monsieur, il est riche ou il est pauvre? Il est riche, il a un domestique. Ils sont riches, ils ont de l'argent. De l'argent. De l'argent. Marie-Laure, elle, n'a pas d'argent. Tu as de l'argent? Mais ici, elle a de l'argent. Elle est riche. Lui,
il n'a pas d'argent. Mireille a un père et une mère. Voilà mon père et ma mère. Le père de Mireille, la mère. Le père, la mère. Un père, une mère. Le père de Mireille travaille. Il travaille. Le père de Robert aussi travaille. La mère de Mireille aussi travaille. Elle travaille. Il travaille. Il travaille. Elle travaille. Il travaille. Il travaille. Là, il ne travaille pas. Il mange. Maintenant, regardez le père de Mireille ici. Est-ce qu'il travaille là? Non, là, il ne travaille pas. Et Ousmane là, est-ce qu'il travaille? Oui, il travaille. Et ici? Ici, non, il ne travaille pas. Et vous? Vous travaillez? Le père et la mère de Mireille ont 3 enfants. Le père et la mère de Robert ont 1 enfant. Le père et la mère de Mireille ont 3 filles. Le père et la mère de Robert ont 1 garçon. Vous avez des enfants? 3. Une grande fille et 2 garçons. Maman, maman. Hmm? Oh, que sont gentilles mes filles. 3 filles, 1 garçon. 3 filles, 1 garçon. Une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5 filles, 6 filles, 7 filles, 8 filles, 9 filles, 10 filles. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants, 6 filles, 6 enfants, 10 filles, 10 enfants. Mireille a 2 sœurs, une sœur plus âgée et une sœur plus jeune. Une sœur plus âgée et une sœur plus jeune. 2 sœurs. Marie-Laure est plus jeune, elle a 10 ans. Cécile est plus âgée, elle a 23 ans. 20, 21, 22, 23 ans. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 10 ans. Et Mireille, elle a quel âge? Elle, elle a 19 ans. Moi, j'ai 10 ans et elle, elle a 19 ans. Vous avez 19 ans? Oui, j'ai 19 ans. T'as quel âge, 15 ans? T'as quel âge, mon bonhomme? 9 ans et demi, madame. 10. 10. 7. 2. 7. 9. 5. 5. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Voyons si vous avez compris. 1, 11, 21, 2, 12, 22, 3, 13, 23, 4, 14, 24, 5, 15, 25, 6, 16, 26, 7, 17, 27, 8, 18, 28, 9, 19, 29, 10, 20. Mireille a des sœurs. Est-ce qu'elle a des frères? Non, elle n'a pas de frères. Des frères, pas de frères. Des frères, pas de frères. Est-ce que Robert a des sœurs? Non, il n'a pas de sœurs. Est-ce que Robert a des frères? Non, il n'a pas de frères non plus. Il est fils unique. Est-ce que Mireille est fille unique? Non, elle a des sœurs. Combien de sœurs est-ce qu'elle a? Elle a 2 sœurs.
Mireille a deux sœurs. Cécile est la plus âgée. Je crois qu'elle est mariée. Nous allons voir. Vous êtes mariés tous les deux? Oui. Nous sommes mariés. Et toi, tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Non. Regardez ces jeunes gens. Est-ce qu'ils sont mariés? Non, ils ne sont pas mariés. Et ce monsieur et cette dame, est-ce qu'ils sont mariés? Oui, ils sont mariés, c'est évident. Allô? Catherine? C'est Catherine. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Je me marie! Quoi? Je me marie! Elle se marie. Nous nous marions demain. Vous avez des enfants? Ah non, 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 je ne suis pas mariée. Fiancée? Ah non, non, je ne suis pas fiancée non plus. Comme moi, alors? Le père et la mère de Mireille sont mariés. Le père et la mère de Robert sont divorcés. Moi, je suis divorcée, deux fois. La mère de Robert est remariée. Cette dame aussi est remariée. Mais le père de Robert n'est pas remarié. Et vous, monsieur Guignol, vous êtes marié? Oui, monsieur, je suis marié et même remarié. J'ai 19 enfants, monsieur, un garçon et 18 filles. Et j'ai aussi un chien. Alors, je n'ai pas le temps de répondre à vos questions stupides, monsieur. Au revoir, monsieur.